Bonsoir, très chers téléspectateurs. Nous sommes ici dans le cadre d'une édition tout à fait spéciale de Sans langue de bois chez la présidente du mouvement des générations capables. Il s'agit de la présidente docteur Simone Eyvet-Babeau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, nous allons commencer par l'actualité politique. L'actualité politique est marquée par la détention de 46 de nos compatriotes du côté du Mali. On vous a vu intervenir là-dessus. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, de votre point de vue, prime? Est-ce le patriotisme qui doit nous permettre d'analyser la situation ou justement des contingences beaucoup plus politiques? Ben, le patriotisme, c'est une considération politique. Ouais. Donc, quand vous dites qu'est-ce qui prime, pourquoi est-ce que vous opposez patriotisme au reste? Qu'est-ce Parce qui est patriotique ici? qu'on aurait aimé entendre de la part de nos leaders une sorte d'union face à la détention de nos 46 membres. On a le sentiment qu'il y a des voix discordantes. Il y a forcément des voix discordantes. Hein? Il y aura forcément des voix discordantes. Parce que quand il y a un événement, il faut d'abord en prendre acte, analyser, chercher à comprendre. Et quand vous avez tous les éléments, à ce moment-là, vous pouvez intervenir et donner un point de vue. Moi, dans mon cas, je considère que je n'ai pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments Non. pour prendre complètement parti. Voilà. Mais par rapport à ces soldats, à ces compatriotes, à leurs familles, est-ce que vous avez un message en particulier qui transcende justement nos divergences politiques? Mais ce n'est pas une question de divergence politique, d'abord. C'est une question de savoir qu'est-ce que des citoyens ivoiriens qui sont donnés pour être des hommes d'armes sont allés faire dans un pays qui n'est pas le leur. Mais l'ONU a répondu, le L'ONU secrétaire a général a répondu dit. qu'il n'en connaît rien. Mais non, le secrétaire général, je vous rappelle, le secrétaire Je vous en général. prie, je vous en prie. Quand le dossier a été traité, ceux qui sont de l'ONU et qui sont au Mali ont reconnu qu'eux, ils ne reconnaissent pas ce contingent. Non, mais là. Après, maintenant, toutes les autres considérations peuvent être traitées de considérations politiques. J'entends ce que vous dites, mais là, il se trouve que le secrétaire général de l'ONU, qui a même une Oui. voix importante, Oui. s'est prononcé sur la présence de ces derniers comme n'étant pas. Qui est lui-même une personnalité politique. Mais quand même, je dis, cette intervention ne vous fait pas changer d'approche par rapport à ce que vous dites concernant ce dossier. Non, parce que le secrétaire général de l'ONU, Non. quand il a parlé, il ne m'a pas expliqué, il n'a expliqué à personne ce que ce contingent ivoirien fait au Mali. Il ne nous en a pas parlé, hein. Il n'en a rien dit. Moi, D'accord. ma question est cela. Oui. Qu'est-ce que des Ivoiriens qui sont des hommes d'armes sont allés faire au Mali? Le gouvernement ivoirien, qui est votre interlocuteur, puisque vous êtes un acteur politique important, a expliqué les raisons de leur présence dans le cadre d'une mission d'accompagnement justement du contingent allemand. Ça a été expliqué. Et Donc les Allemands cette parole, ont mais répondu cette parole du gouvernement. qu'eux, ils ne reconnaissent pas cette troupe. En tout cas, Vous voyez? je n'en fais Donc. pas foi, puisque la ministre allemande des Affaires étrangères a dit que justement ces soldats ivoiriens étaient évidemment missionnés dans le cadre de l'accompagnement du contingent allemand. Ça, Elle a dit, c'est je vous dans dis. une deuxième réponse des Allemands. Mais moi, justement, ce que je Moi, veux savoir, Madame la je Présidente, regarde toutes les réponses qui ont mais été pourquoi ça ne données. change pas votre avis, même si ça vient en deuxième Mais moment? parce que vous savez, moi-même là, j'ai été membre d'un parti qui a eu à diriger ce pays et qui Oui. a subi des attaques Oui. dans ce pays de troupes venues de l'étranger, dont les responsables n'ont jamais reconnu qu'ils étaient les commanditaires de ces troupes. Moi, je prends tout avec beaucoup de pincettes Oui. et j'estime que je n'ai pas suffisamment de réponses claires. Et voilà, et donc je m'en tiens à ma position d'observatrice. Très bien, ça c'était pour votre réaction par rapport à l'actualité donc politique là maintenant. Mais parlons de ce qui s'est passé le 20 août ici même à Abidjan. Vous avez été plébiscité à la tête de ce mouvement des générations capables. Dites-moi, vous parlez de génération. Vous faites partie de quelle génération finalement? Ben, moi, je fais partie d'une génération Oui. qui peut être considérée comme la génération aînée, Oui. encore qu'avant nous, il y a eu tous ceux qui ont dirigé le PDCI avec le président Oufouette et tout cela. Tout ça, c'est des générations. Et puis, il y a des générations actuelles comme vous. Et puis, il y a les générations à venir comme vos fils. Toutes ces générations sont concernées par ce Donc un mouvement. mouvement qui rassemble autant de générations Oui. et justement, vous vous dites,
c'est la génération ancienne que vous représentez d'une certaine façon qui doit porter le combat. Vous auriez pu, parce que la gauche, c'est vraiment le changement de génération, vous auriez pu porter ce mouvement, mais faire tout de suite la passe à une génération plus nouvelle. Mais qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas le cas? Ah! Eh oui, qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas le cas? Vous n'en savez rien. Sur Live TV, vous pouvez nous dire que vous n'êtes pas, comme on a pu soupçonner beaucoup de nos dirigeants et de nos leaders, vous n'êtes pas en fait centré sur vous-même comme étant la seule à pouvoir porter un mouvement transformationnel de nos sociétés. Aucun être humain ne peut être seul à porter un mouvement transformationnel d'une société. C'est toujours une équipe. C'est toujours une équipe qui doit réussir à entraîner d'autres équipes. Ouais. C'est comme ça que nous nous voyons la chose. C'est votre vision. Alors, dites-nous, Madame la Présidente, Mouvement des générations capables est sorti quand même d'une belle aventure que vous avez connue. Vous faites partie quand même de ceux qui ont porté le printemps de la gauche. Aujourd'hui, comment vous allez pouvoir mettre en place cette nouvelle idée que vous portez? L'implantation du parti, ça va venir très vite lors des élections en 2023. C'est ça. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, une question en deux temps, non seulement la force, mais vous sentez avoir derrière vous les cadres, parce qu'il y a eu des très beaux cadres dans ce que vous avez connu dans le FPI. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les choses? Quelle est votre lecture, finalement, de ce nouveau combat-là? Ah, ben vous savez, c'était un combat magnifique que nous sommes engagés à mener. Et dans ce combat magnifique, comme vous l'avez dit là, nous avons l'intention de mobiliser les anciens, des gens comme vous, des plus jeunes et même des encore plus jeunes que vos fils. Parce que c'est un mouvement qui va traverser plusieurs générations. Oui. Voyez. Et maintenant, vous dites, est-ce que vous avez suffisamment de cadres? Mais les cadres, ça se recrute. Les Ivoiriens sont nombreux, nous sommes plus de 20 millions d'habitants, près de 30 millions d'habitants. Tous les 30 millions ne sont pas au RHDP, tous les 30 millions ne sont pas au PDCI, tous les 30 millions ne sont pas au FPI, les 30 millions ne sont pas au PPACI, les 30 millions ne sont pas tous dans le mouvement des générations capables. Ça va se partager. Et nous allons avoir des hommes, des femmes, des cadres, des anciens, des jeunes qui vont faire le travail d'implantation, qui vont faire le travail de recrutement, qui vont faire le travail de formation, qui vont faire le travail de développement, de réflexion pour la projection sur l'avenir. Nous avons des cadres. Et nous continuons d'en recevoir et nous continuons d'en recruter. De ce point de vue-là, vous pouvez être tranquille. Tout ça, vous allez recruter des cadres, mais ils ne seront pas, j'allais dire, différents de ceux que doit recruter le PPACI. Peut-être que j'en recruterai au RHDP, qui sait. À partir du moment où vous vous réclamez de la gauche, vous n'avez pas abandonné cette idée, cet idéal de gauche. Oui. Je pense que le cœur de votre recrutement, c'est bien le PPACI. Ah bon? Est-ce que d'un point de vue symboliquement, ma question, est-ce que d'un point de vue symbolique, cette bataille-là de quelqu'un, avec quelqu'un qui a été votre ami, qui a, qui a partagé votre vie, et votre ami politique, symboliquement, est-ce que ça ne nous brouille pas un peu les cartes politiques? C'est sûr que ça rend les cartes difficiles. Évidemment, nous étions ensemble. Nous étions dans la même considération politique, dans la même vision politique. Forcément donc, il va y avoir une déperdition quelque part. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est la vie, ça. On avance. Mais j'ai entendu dire que, si vous-même, à travers une interview récente, que même si Laurent Gbagbo était candidat, vous seriez candidat. Et si mon parti décide que je suis candidate, pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille tenir compte des autres candidats? Il y aura d'autres candidats. Pourquoi c'est Laurent Gbagbo qui est votre préoccupation? Monsieur Alassane serait peut-être candidat. Oui. Et si le MGC décide que je suis candidate, est-ce que je devrais me retirer parce que Monsieur Alassane est candidat? Non. Mais parce que vous n'avez pas la même histoire avec Alassane Ouattara. Mais il est là en ce moment-ci. Il est un candidat. Mmh. Moi, je regarde les candidats. Et mon parti regarde les candidats. Voilà, et nous allons travailler en fonction de ce qu'il y aura comme candidat. Parce que ce que nous craignons, c'est que déjà, que... étant parti du Front populaire ivoirien, n'ayant pas adhéré au PPACI, le PPACI ne vous a pas... Enfin, je ne vais pas dire que ne vous fait pas de cadeau, mais en tous les cas, le PPACI n'a pas répondu à votre appel. Première question, est-ce que déjà vous avez lancé un appel confraternel à tous les partis, dont le PPACI, pour assister à la naissance de votre mouvement? Ah, nous avions apporté des invitations à tout le monde.
et le PPACI n'a pas répondu. Non, quelle est votre lecture de cela? Le PPACI est un parti politique. Il a le droit de créer ses alliances comme il veut, avec qui il veut. Et l'IMGC, pareillement. Donc nous, nous estimons que quand nous lançons une telle initiative que nous estimons comme une initiative bonne pour la nation, nous invitons toutes les personnalités, toutes les organisations que nous considérons comme intéressées à participer à un mouvement de ce genre. Bon, ceux qui veulent viennent. Le PPACI n'est pas venu, on en a pris acte. Mais ça n'empêche pas, vous savez, c'est la vie. Hein. Dans l'avenir, peut-être qu'on va se retrouver dans des alliances hein, avec le PPACI. Moi, je ne m'y opposerai pas non plus. Hein. Tout va être question de calcul sur le terrain, d'analyse du terrain, des objectifs qu'on veut atteindre. Beaucoup de nos compatriotes, tout comme les analystes politiques, s'interrogent justement sur cette exposition d'une division ou quand même un mouvement politique, en tout cas un camp politique qui a subi autant ces 10 dernières années. Est-ce qu'il fallait étaler cette division et aller chacun comme ça de son côté? C'est un mauvais signal, n'est-ce pas, au niveau de la réconciliation tout court? Ça, c'est vous qui dites ça. Hein. Non, mais ça m'en allait, c'est une question. Et oui, ça, c'est vous qui dites ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous rompez et vous continuez chacun de son côté. L'essentiel, c'est que ce soit l'intérêt de la nation qui soit toujours privilégié, qui soit toujours mis devant. C'est tout. Ben, écoutez, on a bien vu M. Alassane Ouattara rompre avec Soro Guillaume. Bon, est-ce que le ciel est tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire pour autant? Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et une fois que ça arrive, on continue la politique. L'essentiel, je dis, c'est que la nation soit privilégiée. Mmh. Que l'intérêt de la nation, que l'intérêt du peuple soit privilégié. C'est ça qui est l'essentiel. Après, ça devient des questions de considération humaine, personnelle, etc. Est-ce que, à un moment, vous pouvez nous dire, est-ce que votre séparation avec Laurent Gbagbo, séparation politique, a été une forme de trahison? Est-ce qu'il y a une forme de trahison de ces valeurs-là que vous partagez? La séparation est toujours... Politique. La séparation politique. Surtout. Ah non, je ne dirais pas qu'il y a une trahison des valeurs, parce que est-ce que le président Gbagbo a renoncé à ses valeurs? Moi, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas vu qu'il ait renoncé aux valeurs politiques auxquelles moi je crois et auxquelles lui aussi a cru. Je ne crois pas. Quelles sont les valeurs? La recherche de la démocratie, c'est une valeur à laquelle je n'ai pas renoncé et à laquelle je ne vais pas renoncer. Et je n'ai pas entendu dire que lui y ait renoncé à cette valeur-là non plus, etc. Donc, la valeur de la souveraineté également, etc. La valeur du socialisme également. Maintenant, entre lui et moi, il y a eu des incompréhensions, des choses qui n'ont pas marché. Mais quand les choses ne marchent pas, elles ne marchent pas. On regarde la vie et puis on avance. C'est tout. Alors, une fois qu'on a dit les considérations humaines, personnelles, on les a dépassées. Vous êtes une femme politique rompue au combat, aux discussions. Vous parlez d'alliance probable. Je ne connais pas les possibilités. Et on se dit quand même, vous avez une limite. Vous avez dit, je pourrais m'associer, on ne sait pas le temps qui vient. Est-ce que vous avez un champ politique complètement ouvert pour vous allier à qui vous voulez? Ou, quelque part, vous vous dites, il y a des camps politiques avec lesquels le mouvement MGC ne peut pas s'associer? Moi, je ne pose pas le problème en termes de « je peux »,« je dois », »,« je ne peux pas », »,« je ne dois pas ». Je ne pose pas le problème en ces termes-là. Quand une offre se présente, je regarde. Est-ce que l'offre convient à ma vision? Est-ce que l'offre convient à mes objectifs? Si c'est le cas, on va ensemble. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas ensemble. C'est tout. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre offre politique. On ne la connaît pas encore complètement. On sait que vous êtes de gauche. On connaît le combat que vous menez. Alors dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée de, aujourd'hui, pas l'offre politique, mais en tout cas de votre idéologie? Vous êtes de gauche, d'accord. Mais qu'est-ce que vous essayez de promouvoir aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire nouvelle et évidemment transgénérationnelle? C'est un grand sujet. Absolument. Et de toute façon, vous aurez toute la documentation là-dessus. Mais brièvement résumé, je dirais, nous sommes
une organisation de gauche. C'est vrai. Nous sommes une organisation qui va promouvoir autant que possible la social-démocratie. C'est vrai. Et dans la social-démocratie, donc, la possibilité pour tous les privés d'agir, d'investir, mais avec un encadrement de l'État pour que les intérêts du peuple soient également sauvegardés, pour que les questions de solidarité soient également sauvegardées. Voilà, ça, c'est vraiment le béaba hein, oui. Des organisations social-démocrates. C'est là-dessus que nous allons travailler. Maintenant, nous disons que nous sommes dans un pays où nous voyons beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté, oui. Et que cette pauvreté-là est liée au fait que la présence et la pertinence des nationaux dans l'économie, aussi bien dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire de l'industrialisation, etc., que dans le secteur tertiaire, cette présence n'est pas forte. Est-ce que vous êtes en train de nous parler que vous allez vraiment être pour la préférence nationale sur tous les sujets, qu'on soit dans le privé comme dans le public? Bon, le public déjà, c'est connu. Est-ce que c'est ça l'un des fonds? C'est sûr qu'on va faire une grande place à la préférence nationale, ça c'est certain. Est-ce que dans notre contexte, c'est pas nous ramener vers une question que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris? Parce qu'on se rappelle hier, Henri Conan-Bédia parlait d'ivoirité, d'autres ont parlé d'autre chose. Est-ce qu'on ne reviendra pas encore? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ivoirité? Est-ce que la préférence nationale ne va pas brouiller, on va dire, la compréhension de notre, de la part de nos concitoyens, de ce que vous voulez promouvoir? Mais en quoi est-ce que le fait de mettre l'ivoirien au centre de la préoccupation du développement, de la maîtrise du développement dans un pays, est quelque chose de mauvais? Moi, je vous demande de répondre à cette question. Ah ben, voilà, moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Oui. Nous estimons qu'un pays, quel qu'il soit, qui veut être solide, son économie doit être détenue par ses fils. Et non pas par les étrangers. Ça doit être détenu par ses fils. Et c'est quand l'économie est détenue par les fils, les autres venant en complémentarité, que le pays peut être debout, qu'il peut se dresser, qu'il peut affronter les réalités extérieures et s'en sortir. Mais si le pays, si l'économie du pays est détenue en majorité par des étrangers, mais les étrangers, ils sont comme les mange-mille, hein. Dès que ça sonne comme ça, ils s'envolent et puis c'est parti. Et tout le pays s'effondre et tout le pays s'écroule. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. L'économie n'est pas détenue par les étrangers. Mais quelle est votre lecture là-dessus? Ma lecture, c'est que la détention par les Ivoiriens, elle est incomplète. Regardez un petit peu cette économie-là. La grande majorité des Ivoiriens qui interviennent dans le pays sont dans ce que nous appelons le système informel. L'économie réelle de ce pays-là est dans l'informel. Et ça, c'est un problème qu'on ne peut pas laisser perdurer. Voyez? Et quand on pose la question, ils vont nous répondre que oui, voilà les chiffres, voilà la macroéconomie, etc. La macroéconomie, c'est pas ça qui a permis jusqu'à présent à cette classe-là qui est en quelque sorte la classe basse et pourtant numériquement la plus importante de l'économie ivoirienne de s'en sortir. Moi, le problème, là où je veux attirer votre attention, effectivement, on ne va pas durer sur cette question, c'est que est-ce que le discours des hommes politiques sur cette question-là ne peut pas être sujet à interprétation? Comment vous allez faire? Par qui? Par nos concitoyens qui peuvent mal interpréter et soulever une chasse, par exemple, à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas une crainte qu'on doit avoir quand on est analyste politique comme nous, en se disant, si vous battez votre coulpe sur la préférence nationale, est-ce qu'il ne peut pas avoir des craintes de mauvaise interprétation et déclencher des courses-poursuites contre un stand d'étrangers? Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une course-poursuite si les Ivoiriens qui sont dans leur pays reçoivent de la part de l'État, des organisateurs, tout ce qu'il faut pour que leur situation économique, n'est-ce pas, pour que leurs entreprises, pour que leurs investissements, pour que leurs initiatives soient bien encadrées, bien gérées, pour qu'ils s'en sortent, pourquoi est-ce que cela déclencherait une course-poursuite des étrangers? Quand vous dites ça, vous me faites penser que donc les étrangers qui sont ici veulent empêcher que les nationaux s'en sortent.
Est-ce que c'est non, ça? Non, ce n'est pas ça, mon bon, intention. Alors, moi, si c'est pas je veux savoir ça. justement ce que les hommes politiques font ou feront, dans votre cas, pour permettre justement une vraie harmonie, une vraie entente entre ceux qui viennent ici chercher à gagner leur vie et les Ivoiriens qui sont dans leur propre pays. Ceux qui viennent ici chercher leur vie là, ont toujours été bien accueillis par les Ivoiriens, n'est-ce pas? Oui. Partout, dans tous les secteurs. Ils ont toujours été bien accueillis par les Ivoiriens, qui leur ont ouvert toutes les portes. Il n'y a pas un secteur de l'économie, il n'y a pas un secteur du développement de la Côte d'Ivoire où on ne trouve pas des étrangers. Très bien, très bien. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu des échéances électorales à venir. Ça va être quand même un grand moment pour le mouvement que vous portez. Ce sera le premier grand rendez-vous électoral. Comment vous le préparez, justement? Est-ce que vous avez là un calendrier, un agenda qui collera évidemment à cet agenda national? Comment vous préparez ça? Parce que dans 2023, c'est déjà maintenant. C'est ça, c'est ça. Donc la première chose à faire, puisque le parti vient seulement de naître, hein, la première chose à faire, c'est de faire un travail intense d'implantation du parti. Oui. Partout sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes déjà sur toute l'étendue du territoire, mais il nous faut une implantation, un enracinement solide. Et ça, c'est le travail que nous allons faire. Malheureusement, comme vous dites, les échéances électorales sont là. Donc, en même temps qu'on fait ce travail d'implantation, il faut en même temps faire le travail de, comment je dirais, de consolidation des capacités de ceux qui vont être candidats, en même temps de la formation, beaucoup de formation pour ceux qui vont tenir les bureaux de vote le moment venu, etc. Nous allons faire tout ça et nous avons à peine une année pour faire tout ça. Ouais. Mais nous allons le faire. Alors, les élections arrivent très souvent dans notre contexte politique, à l'approche des élections, on assiste à beaucoup de dissensions des hommes politiques autour de la commission électorale indépendante. C'est ça. Aujourd'hui, quelle est, on va dire, la position que vous adoptez par rapport à cette CEI? On parle d'enrôlement de nouveaux majeurs, mm-hmm. On parle de propositions récentes grâce à une organisation internationale pour revoir et les questions de caution et les questions donc, de parrainage, etc. Quelle est votre pensée là-dessus pour faire en sorte que ce ne soit pas encore une énième crise? Bon, vous savez, concernant la CEI, par exemple, nos revendications n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on s'appelle MGC que nos revendications ont changé. Nous avons fait les mêmes analyses depuis les FPI. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, à ce niveau-là, il y a des choses à régler. C'est lesquelles? Bon, au niveau de la CEI, nous disons que nous voulons une CEI vraiment autonome. Et ce n'est pas le cas. Nous voulons une CEI dans laquelle l'État n'est pas représenté. Une CEI dans laquelle les partis politiques, quand ils sont présents en tant que juste observateurs et non pas acteurs directs. Nous n'avons pas encore obtenu cette CEI-là. Donc ce combat-là, qui est en cours, qui doit être mené, nous allons continuer de mener ce combat. Nous avons posé le problème des listes électorales. Oui. En ce qui concerne les listes électorales, nous disons que les listes électorales elles doivent être mises à la disposition de tout le monde dès maintenant pour que nous puissions en faire une véritable relecture, revisitation, pour voir un petit peu si tous ceux qui méritent d'être sur cette liste sont sur la liste et si des gens qui n'ont rien à voir avec cette liste sont sur la liste et qu'il faut les extraire de ces listes. Donc ce travail-là, il doit être fait. Troisième question que nous soulevons, c'est la question du découpage électoral. Lorsque nous-mêmes nous étions au pouvoir, nous avions fait une proposition de découpage électoral, aussi bien au niveau des législatives qu'au niveau des municipales. Nous avons de grandes communautés en Côte d'Ivoire ici qui méritent d'être érigées en communes, qui ne l'ont pas été. Et nous avons d'autres communautés qui sont trop petites pour être érigées en communes et qui l'ont été. Il faut faire un travail qui permette que les critères de création des différentes circonscriptions soient des critères qui satisfassent tout le monde. Est-ce que ça, ce n'est pas, on va dire, un héritage de notre univers politique? C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, le découpage électoral, ça va, il n'y a pas de problème. Et quand on est dans l'opposition, on dénonce. À quel moment? Nous n'avons jamais dit que le découpage électoral, ça va. Nous étions en train de faire le découpage électoral. Ouais. Voilà. Mais enfin, si le pouvoir actuel, une fois qu'il est arrivé en 2011, a modifié, c'est qu'il n'était pas satisfait de ce qui existait avant. Alors, comment on fait, finalement, pour avoir un consensus? Et c'est, après, on va rentrer justement dans la réconciliation générale en Côte d'Ivoire. La question du consensus autour de l'essentiel. On s'assoit
on s'assoit, tous les acteurs, on s'assoit, on discute, on met tous quatre sur table et on discute. Ce n'est pas ce qui est fait. Regardez récemment, il y a eu en 2021 une convocation pour le dialogue. Est-ce que ces questions ont été traitées? Alors, justement. Est-ce que ces questions ont été traitées avec toutes les personnes qui auraient pu donner leur point de vue là-dessus? Non. Vous pensez que votre tendance, une tendance, j'allais dire Simone Gbagbo, a manqué dans ce grand rassemblement pour parler de dialogue politique? Ah, ma tendance a manqué. J'ai écrit une lettre qui n'a pas été prise en compte. Mais ce n'est pas seulement moi, ma tendance. Mais il y a beaucoup d'autres organisations qui se sont plaintes également. Mais finalement, les résultats de ces conclaves-là, qu'est-ce qu'il y a vous satisfont ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Enfin, ce qui en est sorti. Non. Vous êtes un acteur. Oui. Vous êtes un lecteur de tout ce qui est de la réalité politique. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Non, mais il semblerait que ce qui est sorti de ces conclaves satisfasse les autres membres. Est-ce que c'est votre cas? Lesquels? Non, je ne veux pas rester sur le cas. Mais est-ce ça. Que vous, ou pour vous, il n'y a rien de satisfaisant? Donnez-moi une seule des questions que j'ai soulevées tout à l'heure là, oui. Et qui a été traitée. Par ce dialogue. Sans parler de cette question que vous avez soulevée, parlons des prisonniers politiques. Parce que ça, c'est vous savez, la question des prisonniers politiques, c'est d'abord une question fondamentale de recherche de la paix, n'est-ce pas, et de la réconciliation. Mais entre avant paix même... et justice, parce que parlons-en, vous êtes un homme politique, ce n'est pas forcément lié à votre implication. Mmh. Est-ce que finalement notre univers politique ne foule pas au pied, année après année, la question de la justice? C'est qu'on peut régler d'un point de vue judiciaire et après se demander pardon. Mais c'est que la justice ne va jamais au bout. Ah ben ça, c'est de la faute à qui, ça? Ça, c'est à, pas, tout, ça, à c'est vous, pas... les hommes politiques? Ah non, ce n'est pas la faute à nous, les hommes politiques. Quand un problème se pose à la nation, on regarde deux choses. On regarde, est-ce que c'est la justice qui va ramener la paix? Est-ce que c'est la paix qui va ramener la justice? Ce sont les deux choses qu'on regarde. Et quand on a trouvé une réponse adéquate, à ce moment-là, alors, on traite en fonction. Et quelquefois, quand on traite, on combine les deux. Quand il y a des crimes, lorsqu'il y a des crimes qui ont été provoqués, réalisés, etc., pendant les événements, les crimes sont adressés à la justice. Mais en même temps que les crimes sont adressés à la justice, le politique peut prendre une décision, la plupart du temps dans ces cas-là, c'est une décision d'amnistie, pour que la vie puisse continuer, l'amnistie de certains faits, quand ces faits-là ne sont pas les crimes proprement dits. Par exemple, l'État a été mis en difficulté. On peut amnistier ce fait-là, bien que les crimes qui ont été perpétrés pendant les actions, pendant cet acte-là d'attaque de la sécurité de l'État, les crimes, eux, peuvent être traités. Oui. Et quelquefois même, les gens vont jusqu'à dire, pour que nous ayons une paix définitive, même les crimes, il faut que ce soit traité d'une façon différente. C'est-à-dire, si le criminel a été identifié, si le bourreau a été identifié, on va demander au bourreau de faire son mea culpa. S'il accepte de faire un mea culpa sincère, on peut décider de... Ça, c'est à peu près ça que vous proposeriez si vous étiez au pouvoir. Parce c'est que ce qui la s'est question... Par exemple, au Rwanda, c'est ce oui, qui au s'est Rwanda, fait. On a en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est fait. Ouais. C'est ce qui s'est et fait. Et là, chez nous, vous et pensez on que... on va être obligé d'y arriver, quoi qu'on fasse. Dans la crise que nous avons connue, il n'y a pas eu seulement que les crimes de sang, mais il y a également des gens qui ont pillé, qui ont volé, qui ont pris les biens des autres et qui aujourd'hui encore sont assis dans les biens des autres, qui ont pris les plantations, qui ont pris les terres et qui sont encore assis dedans. Alors, quand on veut régler ce problème-là, ce n'est pas par la justice seulement qu'on règle ce problème. Il faut que ceux qui ont pris les faits restituent ce qu'ils ont pris. Il faut que ce soit restitué. Tant que la restitution n'est pas faite, vous aurez beau arrêter les gens, les jeter en prison, les maintenir en prison pendant 20 ans, vous ne réglez pas ces problèmes. Est-ce que vous voyez? Très bien. Alors, quand on regarde nos militaires, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos militaires qui sont encore en prison. D'accord.
Mais les militaires qui sont en prison, des gens comme le Dubobré, etc., qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? C'était des hommes qui étaient dans leur métier, obligés de défendre la sécurité de l'État. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Mais quand le président Gbagbo... Eux, ils ont été jugés pour des crimes. On a parlé celui de général Guy Robert, celui du colonel Dosso. Enfin, moi, je vous dis ce que la justice a fait. Maintenant, je veux savoir, vous, de votre point de vue, une fois qu'ils ont été jugés pour ces crimes, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? C'est qu'ils soient élargis complètement. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne ces procès? Parce que vous voyez, ces procès-là ont eu lieu. Hein? Oui. Voilà. Mais moi, je ne considère pas que ces procès étaient justes. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas, il vaut mieux prendre une loi d'amnistie qui règle le problème. Et puis c'est tout. Parce que, on va t'amener vraiment sur ce sujet-là. Parce que sinon, le chemin dans lequel vous êtes en train de nous engager, là... Pas moi, en tout cas. Enfin, vos adversaires politiques. Merci bien. Mes adversaires politiques, je veux bien. Oui. Mais je dis ce chemin-là, si on veut le mener jusqu'au bout, mais il y a beaucoup de gens qui sont au gouvernement aujourd'hui qui devraient être en prison. Est-ce que vous voyez? Et ils sont au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils sont au pouvoir? Alors, est-ce qu'on doit alors conclure que là, on est en train de faire une justice du vainqueur? Très bien, très bien. On a vraiment compris le sens de votre propos et de votre combat sur ce qui peut nous permettre d'aller définitivement à la paix. Je voulais quand même, pendant que nous terminons cet instant, qu'on évoque votre propre personnalité. Dans la presse, au sortir du pouvoir que vous avez vécu pendant 10 ans, beaucoup ont parlé de vous comme une dame de fer, un visage un peu brouillé, enfin une image un peu brouillée. Est-ce que vous pensez que ça vous a fait du tort, ça a été un jugement, j'allais dire, qu'on n'aurait pas dû avoir sur vous et que ce n'est pas comme ça que vous vous définissez? Oh, je ne me définis pas du tout comme une dame de fer, etc. Pas du tout. Je ne me définis pas comme ça. Je me définirais comme une femme qui se donne une exigence de rigueur. Bon. Mais la rigueur, ce n'est pas le faire. La rigueur, c'est juste dans le comportement, dans l'analyse, dans le positionnement, être en harmonie avec ce qu'on pense et avec ce qu'on dit. Pour terminer cette édition spéciale de Salon de Bois, ici même chez vous, vous nous avez accueillis, je vais vous demander là, finalement, vous vous dites quoi? La place de Simone Gbagbo dans notre histoire, hein, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, comment vous la voyez? Est-ce que vous pensez que vous allez mener un combat d'une sorte de réhabilitation pour ce qui vous reste encore à combattre? Vous dites que vous avez combattu le bon combat. Aujourd'hui, Simone Gbagbo, comment vous projetez dans l'avenir pour terminer cette entretien? Voyez-vous, je considère que j'ai mené un combat pour mon pays. Parce que ma vision, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire riche par ses fils et pour ses fils. Et ce combat-là, je l'ai commencé et je la continue parce qu'elle n'est pas achevée. Mais j'aimerais aujourd'hui avoir en plus une Côte d'Ivoire formée d'hommes et de femmes à l'esprit complètement transformé, qui mettent les valeurs aux côtés de la compétence, de manière à ce que la compétence permette d'aboutir à l'excellence. Voilà ce que moi je souhaiterais aujourd'hui pour ma nation, pour mon pays. Et ce travail-là, tant que je peux y contribuer, je suis prête à y contribuer. Mais en même temps, j'invite les jeunes, j'invite les hommes, j'invite les femmes qui sont plus jeunes, parce que ma génération, elle est en train de passer. C'est eux qui doivent prendre le relais. Et ce relais-là, il faut qu'on s'assure qu'il est effectivement pris de la bonne façon. Et j'invite les hommes et les femmes à venir participer à ce combat-là. En tout cas, présidente Simone Yves Gbagbo, vous êtes présidente du mouvement des générations capables. Nous vous remercions vraiment de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir fait cet honneur. Nous espérons simplement que l'action que vous allez mener va profiter à l'ensemble de nos concitoyens, que nous remercions d'ailleurs d'être toujours fidèles à cette chaîne Live TV, ouverte à l'ensemble de toutes les obédiences politiques. C'était Salon du Bois spécial Simone et Yves Gbagbo que nous recevions aujourd'hui. À la semaine prochaine.